Bien. Écoute-moi très attentivement. Tu n'auras aucune paix jusqu'à ce que tu m'aies remis tout ce qui m'appartient. T'as pigé? T'as pigé? Tu n'as qu'à me tuer si tu veux. Tu devras d'abord me passer sur le corps. Avant de récupérer ce que tu prétends être à toi. Tu es malade. Tu n'es qu'un sale con. Ouah, t'es foulé que Kulego, Oshuagu Boyigo. Tu n'es d'où fait ce que t'as à faire. Si je te laisse en vie, c'est parce que tu as mon haut fort. Si ce n'était pas le cas, je t'aurais. Allez, vas-y, fais-le une bonne fois pour toutes. Fais-le. Kinyere. Écoute-moi très bien. Ne laisse pas les vautours danser sur ta tombe. Maman, je t'ai déjà dit. Je m'appelle Lola. Et j'apprécierais si tu m'appelais ainsi. Qui t'a donné ce nom? Écoute, je répète, ne laisse pas les vautours danser sur ta tombe. Maman, je n'ai rien fait pour mériter une telle chose. Tu n'as rien fait? Ok, dis-moi. Quelle fille, avec tous ses sens, parle à sa mère comme tu le fais avec moi? Dis-moi. Maman, je dis juste la vérité. Quelle vérité? Tu es en train de déclencher une éruption qui non seulement va consumer deux frères, mais qui causera aussi une catastrophe dans cette famille. Donc, maintenant, tu me traites de mauvaise mère, c'est ça? Loin de là, maman. Loin de là. Je t'ai dit juste la vérité. Non, ok, dis-moi. Quelle différence ça fait? Une mauvaise mère et une mère qui prend de mauvaises décisions. Maman, je te demande seulement de faire ce qui est juste. Tu ne m'as pas seulement traitée de mauvaise mère, mais tu m'as également traitée de menteuse, pas vrai? Maman, n'utilise pas mes mots contre toi. Tais-toi, 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 tais-toi. Es-tu folle? Es-tu folle? Cette fille, oh, tu veux me louter. Tu veux me louter. D'accord, viens, on va se battre. Maman, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-il arrivé à l'avenir que tu m'avais promis? Amara, cet avenir est mort il y a longtemps. Même avant que le lever du jour ne touche nos paupières le matin. Qu'est-ce que tu t'entends parler, Okuna? Tu te tiens juste en face de moi et tu me craches ces conneries. Tu m'appelles Amara par mon nom. Où sont passés les petits noms que tu avais l'habitude de me donner? Où? Amara, oublie tout ça. C'est du passé maintenant. Mets ça derrière toi et fais comme si on ne s'est jamais rencontrés. Waouh! Regarde à quel point tu le dis avec aisance. Non, dis-moi, tu as oublié que l'amour que j'éprouve pour toi est aussi fort et profond dans mon cœur. Est-ce que tu as oublié? Amara, ce qui me préoccupe en ce moment est vraiment plus important que cet amour que tu me chantes. Je rêve, c'est vraiment toi. Mais c'est toi qui m'as fait comprendre que l'amour est tout ce dont on a besoin.
pour rendre le monde meilleur. Oui, en effet. Oui, en effet. Mais c'était avant. À ce stade de ma vie, l'amour doit donner place à la raison. Et que te dit cette raison, juste... Amara, ce qui m'attend est plus grand que toutes les conneries que tu me racontes comme une pie depuis. Non, s'il te plaît. Donc tout ce qu'on a partagé ne valait rien. Oh, mais si, Amara. Mais à ce stade de ma vie, lui, du tout. Désolé, je dois partir. Non. Non, tu n'iras nulle part. Non, tu n'iras nulle part. Non, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Bouge de là. S'il te plaît, ne t'en va pas. S'il te plaît, non. Ah, 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 ah. Dola Boss, quoi de neuf? C'est quoi la go? J'ai besoin d'un truc. J'en ai besoin. J'ai du fric, t'inquiète. Mais Dola, calme-toi. Ah ah. Chinelou. C'est de ta faute si je suis parti en prison. Mais tu ne m'as même pas rendu visite. Alors quoi de neuf? Comment va ta vie? C'est vrai, je t'ai pas rendu visite en prison. C'est parce que j'avais peur. Tu dis que t'avais peur? Inutile d'avoir peur puisque je n'avais pas mentionné ton nom à la police. C'est vrai, tu n'as pas mentionné mon nom à la police. Mais ma conscience n'arrête pas vraiment de me juger. En passant, tu étais censé passer 21 ans en cellule. Comment se fait-il qu'après 6 mois tu sois dehors? Je vais te dire une chose. T'as merdé. J'étais en prison à cause de toi, tu ne m'as pas rendu visite. Tu as merdé. Baewa, j'étudie ton cas. Et pour ce qui concerne ta question, le ciel a une façon de faire. Miséricorde aux innocents. Où est mon argent? Je ne l'ai pas. Pardon? Ton argent est fini. Je ne l'ai pas. Tu blagues, n'est-ce pas? Des blagues? Comment ça? Moi, Hunger, mec, tu me connais. Je ne les ai pas, je les ai utilisés. Tu t'attendais à quoi? Écoute, je viens de sortir de prison et je suis dans les nerfs. Tu comprends? Je suis dans les nerfs. Je te donne 48 heures pour me ramener mon fric. Sinon, tu sauras mon nouveau nom. C'est quoi ton nouveau nom? Ekwenso. Ekwenso. Donc c'est parce que tu es le diable et je devrais avoir peur de toi, Mwanga. Non, n'aie pas peur de moi. Tu n'en as pas besoin, tu sais. N'aie pas peur de moi. Mais lorsque je reviendrai dans les 48 prochaines heures et que tu ne files pas mon argent, tu t'appelles Hanga, n'est-ce pas? Je te jure, je vais t'accrocher. Chinedou, tu ne sais pas qui je suis. Comme un crachat. Il m'a craché. Mon amour en pleine gueule. Désolée, mais je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu, vu la façon dont tu t'amourachas avec lui. Si un caméléon donne naissance à un enfant, ce dernier n'est-il pas censé danser? Il est censé. Il est. Mais malheureusement, le caméléon est un animal qui déçoit. Ugona m'a quitté pour la prêtresse. Alors qu'il n'est même pas sûr de l'avoir. Pourquoi? Les hommes sont toujours comme ça. Ils ont un goût insatiable pour les femmes. Pourquoi? C'est comme ça. Pourquoi les hommes sont-ils ainsi? Pourquoi? Arrête. J'en ai marre. Ugona. Oh, mon morceau. Balancé. Et... les filles. Pas de neuf. Tant de quoi pour ma panty. Voilà. Oh, pourquoi t'as arrêté la musique? Neuf, le truc. Mon argent. Ah ah.
Passe-moi le sarmec. Tout est là. Tu peux voir des vrais dollars. Allez, vas-y, fais-moi voir. C'est toi la bosse. Je ne peux pas te tromper, ce sont des dollars. Allez, vérifie, des vrais dollars. Meuf, la double. Allez, vérifie, des vrais dollars. Alors nous, on bouge. Reine du dollar. C'est pourquoi je t'adore. T'as les meilleurs teufs. C'est de la qualité. T'es la meilleure, bébé. T'es la meilleure, mon bébé. C'est fort. Vas-y, doucement. Suivez-moi. Utana. Uguna. Utana, t'es supposé être en prison. Comment t'es sorti et qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, je suis revenu remercier Kwesu. Il avait promis de me faire sortir de cellule et il a tenu à sa promesse. T'es venu pour remercier mon frère? Oui. De t'avoir fait sortir des prisons? Oui. Je vois. J'espère que t'es pas sorti pour causer un autre trouble dans cette communauté. Oguna, tu me connais, mais pas mon histoire. Pas ton histoire, hein? Oui. Je garde mon œil sur toi. Pas de souci. Je te suis de près, mec. Juste au cas où. Utana. Oguna. Oguna. Lily, tu ne m'as pas dit que ton frère était de retour. C'est parce que j'ai oublié. Ah, mais c'est ton ami, non? Je pensais que vous êtes déjà vu. En effet, Shinedu m'en veut terriblement. Et pourquoi t'en veut-il? Parce que je ne l'ai jamais rendu visite en prison. Il a raison, c'est nocif pour l'amitié. Si c'était moi, je ferais pareil. En effet, j'ai tergiversé. J'ai cru qu'il était condamné à 21 ans de prison. Ignorant qu'il rentrerait dans si peu de temps. Ouais, il dit avoir bénéficié de la grâce présidentielle. Dieu merci pour lui. Tu peux le redire. Dieu merci, il est libéré. Me voir, maman. Oui. Shinedu, c'est quoi ce nouveau nom que j'ai appris que tu portes maintenant? Ce n'est pas nécessaire. Ok, si tu insistes, Ekwensu. Ekwensu? Oui. Shinedu, pour l'amour de Dieu, pourquoi veux-tu répondre à un tel nom? C'est mon nom de prison et rien ne peut changer cela. Et Kwensu est mon nouveau nom. Shinedu, tu dois reprendre le nom que ton père et moi t'avons donné. Non, je ne le ferai pas. En fait, ce nom m'appartient depuis le jour que tu as pris ce qui m'appartient pour le donner à mon jeune frère. Je n'ai pas fait une telle chose. Oh que si, maman. Shinedu, je n'ai pas fait une telle chose. Maman, mon nouveau nom c'est Ekwensu. Onyeku Esu, c'est simple. Tu dois laisser ce nom. Jamais, Baluku Tegododo. Tu dois laisser ce nom. Maman, jamais je ne changerai ce nom. Je m'appelle Ekwensu. Alors, sors de ma chambre. Je n'ai aucune relation avec Ekwensu. Dehors. Maman. Dehors. Les étincelles que tu es en train de crier autour du bois ne t'étonnent pas que ça prenne feu.
Après, faudrait pas venir me raconter des histoires. Je te le dis, maman, tu es en train de ramener du bois infesté d'insectes dans cette maison. Lorsque tu commenceras à voir des lézards, s'il te plaît, je ne voudrais pas que tu me prononces. Donc tu n'as plus peur. Tu parles maintenant à ta mère en parabole, c'est ça? Tu me parles en parabole, hors de ma chambre. Ok. Maman, je te pardonnerai parce que je sais que tu as des problèmes mentaux. Tu es très malade. Pas de problème, maman. Je sais que tu es mentalement instable. Mais s'il te plaît, remue ton cerveau. En fait, bouge-toi pour savoir. Je veux dire, bats-toi pour retrouver ce qui m'appartient de droit. Sinon, maman, si tu ne ramènes pas mon eau fort, maman, maman... Allez, sors de ma chambre. Okay. Dehors. Dehors. N'importe quoi. Frère Tinedo? Je m'appelle Ekwensu et non Tinedo. Combien de fois vais-je te le dire? Mais vous... Ne me touche surtout pas. Soit tu m'appelles Ekwensu, soit tu ne me parles pas. Si tu m'appelles encore Tinedo, crois-moi, je vais te donner une bonne gifle. Mon nom c'est Ekwensu, respecte cela. On n'en est pas là. Frère Ekwensu. Voilà. Frère Ekwensu. Je suis venue faire appel à ta conscience. Sur quoi? Ne le prends pas mal. J'aimerais que t'ailles doucement avec maman. Que j'aille doucement avec quelqu'un qui a vendu mon droit de naissance. Que j'aille doucement avec quelqu'un qui a vendu ma destinée. Elle ne l'a pas fait exprès. Tu sais, maman ne se sent pas bien. Elle a l'amnésie totale et la démence cérébrale. C'est ça le problème. Elle n'a qu'à se réveiller et me donner ce qui me revient de droit. Après cela, elle pourra devenir folle si elle veut. Je m'en tape. Est-ce que tu réalises que t'es dure avec elle? Ce n'est pas ça. Comme tu m'as vu. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne veux pas me répéter hors de ma vue. De sang. Attends que je t'ouvre la portière. Lily, tu sais que c'est moi qui ai le haut fort. Ouais, non. Qui peut se comparer au gardien de l'eau fort? Le gardien de l'eau fort. C'est trop. Ouais, ma jolie petite sœur. Ouais, un peu de temps pour se rattraper. Petite sœur, t'as toujours du temps pour te rattraper. Donne juste le feu vert. Alors, quoi de neuf? Pas grand-chose. Vas-y, raconte. S'il te plaît, ne le laisse pas prendre ce qui t'appartient déjà, oh. Quoi? Que veux-tu dire par lui? C'est quel genre de question ça, qui? Frère Ekwensu, non? Ne me fais pas rire. Qui, dans ce monde moderne, à cette ère, opterait pour un nom pareil? Ekwe? Frère Ekwensu. Seigneur. En fait, t'aurais dû voir comment il harcelait maman pour qu'elle lui donne cet effort. Il harcelait maman? La pression. Tu sais que je ne suis pas prêt à donner ce dont j'ai une grande estime déjà. Je sais, non? Je sais, je sais. Allez, tu sembles oublier que l'état actuel de notre mère, tu vois, sa perte de mémoire, exactement, ne lui sera d'aucune aide. Et il ne le sait il pas. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Tu sais quoi? Il a oublié qu'il est un échec total. Tu t'imagines qu'il n'a Dieu que pour cette offre? Oublie tout ça, viens que j'aie été déposé. Honte que je te dépose, t'es trop canon, tu sais. J'ai intérêt à l'être. Tu profites de la vie, oh. Pardon, démarre. Ekwensu, Ekwensu, enlève ce couteau de ma gorge. Pas question. Akanebue, Ekwensu. Avec ce couteau, ou
aussi près de mon cou veut dire, ne veut dire qu'une chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mort est proche. Que la mort est proche. Ça suffit maintenant. Dis-moi, pourquoi tu as donné mon beaufort à Ogona? Pourquoi tu as donné à Ogona mon beaufort? Chinedu, crois-moi, s'il te plaît, Chinedu, je ne lui ai pas donné d'offort. Je ne m'appelle pas Chinedu, je m'appelle Ogona. Ok, Ekwasu, je ne lui ai pas donné d'offort. Si c'est le cas, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Oh. Tu ne le savais pas. À cause de tes troubles de mémoire, n'est-ce pas? Anoku no bodogolo bozoi. Bikono. Écoute, j'ai besoin de mon renfort. Est-ce que tu me comprends? J'ai besoin de mon renfort. Il me faut cet renfort. J'ai besoin de cet renfort maintenant. Merci. Maman, j'ai vraiment peur. Peur de quoi? Son désespoir pourrait le pousser à prendre des mesures drastiques. Ma fille, efface toute trace de peur de ton cœur. Car ceux qui le font ne crient pas du tout. Mais frère Ekwesu t'a mis au pied du mur avec un couteau de la cuisine. Ah bon? Quand est-ce que c'est arrivé? Maman, t'es sûre de n'avoir pardonné cet offort à Ogona? T'ai-je un jour menti? Pas du tout, mais pourquoi frère Chinedu lutte contre toi? Pourquoi tu prends le offort de frère Ogona et tu le lui donnes? Tu dois savoir que c'est quelqu'un qui voudrait atteindre sa destinée à travers son frère. Franchement, je pensais que la prison lui avait donné une vraie leçon. Celui-là, va-t-il acheter un cerveau? Non, dis-moi, quelqu'un qui revient de prison et se nomme Ekwesu, Omado Konyabu, au pronom Mado. Je me demande pourquoi il était mon préféré. Hein? Hein? Je ne sais pas, c'est un aspect qui me rend tellement confuse que je n'arrive pas à comprendre chez lui. Lorsqu'il est sorti de prison, j'ai cru que ses problèmes allaient s'arrêter là, ignorant que c'était même là le début de tout. Fiakwa, Ekwesu, c'est qui? Je te jure. Pose-moi et pose. On verra bien. Thank you.
Ibalaramide. 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 La prêtresse a mogué. La viande sèche qui remplit la bouche. Je suis celle qui crache dans la rivière. Et elle devient des vagues. J'ai jeté une pierre dans le ciel. Et elle est devenue soleil. Je suis la prêtresse à mogué. La plus belle des prêtresses de cet royaume de Kasua. Celle qui ravit les dieux. Qu'assois! Comme un homme offre de la cola et de la libation à son chi, cela ne veut pas dire que ce dernier a faim. C'est un acte d'appréciation pour la bienveillance de son chi. Cher Dieu de nos terres, je me tiens au devant de vous avec de la cola et de la libation. Qu'assois! Que les habitants de ce village soient favorisés le matin, dans l'après-midi et le soir. Que les 4 jours du marché leur accordent faveur. Que les bons désirs de nos cœurs voient la lumière du jour. Qu'assois! Nene gono naner paguru gogama. Hey, ogogo dene de. Ewe bukwa cha shana nenu. Ega nani bobe dada pa Ana ubu iku iku nene. Wenu bepe kajo. Pe. Ipubugwe su nanu bwe zugelego. Naga bwaka oho oho. Enu bwe gubutu oho. Enu bwe gubusu. Aha, epo sugono so. Ena gupa tologa, aha. Ena buke telebeo. Na suite elemenama, aha. Enu gosu na kilebeno. Gekune na gwemo, gekune na gwemo. Gekune na gwemo. Fopam libam libam libam. Fopam libam libam libam. Fopam libam libam libam. Aha. Wouh. Nem. Tu as aimé mon single? Bien sûr. Ouais. Ouais. Ok, je te chanterai une autre. Naoudé, naoudé, naoudé. Naoudé, naoudé, naoudé. Naoudé, kosangunanga, naoudé. Nabukuton, non, non, naoudé, nabouye. Ah ouais. Ton sourire est magnifique. Tu rends mon monde agréable. Tu recommences encore. Je pèse mes mots. Ok. Si tu le dis. Après tout, si tu ne le fais pas, qui le fera? Je t'aime. Oh, mon rayon de soleil. Mon bébé. L'unique soleil qui repose en plein cœur du ciel. Chai, Mwaka. Apom moi, achelu pang moi. Aikom, lilililil dialo. Hey. Mon bon vin de palme. Oh, l'enono. Écoute, je te promets d'être toujours là pour toi. Je ne te blesserai jamais. Je ne te ferai jamais pleurer. Et je t'aimerai pour toujours. Tu promets de ne jamais me laisser? Nos sentiments sont mutuels. Je te le jure, c'est pour la vie.
Pour la vie, bébé. Essaye de m'attraper. Oh, Guéné. Pour toujours, bébé. Pour toujours, mais pour toujours, bébé. Ouh. Pour la vie, bébé. Oh. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Aussi aisément dans nos pensées. C'était beau hier. Je l'aime encore. Ogona veut juste détruire ce que l'on partage. Sous les ordres de qui tu es allé récupérer les impôts? Je suis l'autorité en tant que président des jeunes. Président des jeunes? C'est à moi que revient le fric que t'as collecté. Quelle audace. Ça ne va pas bien chez toi. Es-tu au courant que ce revenu revient automatiquement au gardien du symbole de l'autorité, qui est le détenteur de l'enfant? Tu n'es rien d'autre qu'une mouche qui se prend pour un oiseau. Tu sais quoi? Un chien reste un chien, et un chat reste un chat. Tu vois de quoi je parle, hein? Et que diable cela signifierait-il? Tout simplement parce que tu n'es pas le véritable gardien de l'effort. Par conséquence, tu n'as droit à aucun revenu. C'est ce que tu penses? C'est ce que tu crois? Donne-moi le fric. Donne-moi le fric. Je peux voir que tu es prêt à me frapper. Prends le fric. Allez. Donne-le-moi maintenant! Donne-moi cet argent! Regarde-moi ce type! Écoute-moi maintenant! Je te préviens! Écoute-moi très attentivement! Donne-moi cet argent! Si jamais tu fais un drôle de geste, tu serviras de repas au vautour! Et écoute-moi! Un vieil homme avec la barbe et des cheveux blancs est un sage! Tu as compris? Fais attention! Tu as compris? Compris? C'est clair! Ça ne va pas la tête! Je rends mes nouvelles! Et vous deux? On se reverra! Mec, allons-y. Vous aurez de ma nouvelle. On se revira. Tu es là, tu fais le beau village. Tu fais le beau. Tu dois voir un orthopédiste. À la prochaine, espèce d'idiot. Ah, un raté. Un raté comme toi. T'es la star du village, non? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À quel moment se repose-t-on? Maman, qu'avons-nous fait? Calme-toi. Non, ça devient ingérable. Bien, ce n'est que le début. Vous n'aurez pas de paix jusqu'à ce que mon effort sorte. Écoute, je vais... Où est mon effort? Écoute-moi très bien. Tu ferais mieux d'arrêter cette folie. Inani Fenakwen, arrête ça! Cette folie ne prendra pas fin jusqu'à ce que vous me donnez ce qui me revient de droit. Et je pèse mes mots.
Où est mon enfant? S'il te plaît, ça suffit, non? Ah ah, s'il te plaît. Qui t'a parlé? Agolégobé, tu sais ce que signifie Kwensu? Écoute, il n'y aura pas de paix dans cette maison jusqu'à ce que vous disiez à votre mère de me remettre ce qui me revient de droit. Ok, maintenant. Sinon, je vais tous vous faire tuer. Dis-moi, en quelle langue veux-tu que je te dise que je n'ai pas donné ton enfant à Ugona? Comment? Prenez ça pour de la blague. Hé, hé, hé. Prêtresse Amorgé. Sam est venu te voir. J'espère que t'es là, car je viens te voir. Jolie princesse de Kaswa. Prêtresse Amorgé. Prêtresse Amorgé. Jolie princesse de Kaswa. Princesse Amorgé. Où a-t-elle bien pu aller? Le sanctuaire est très désert. Prêtresse Amorgé! Bon. J'ai pas d'autre choix. J'ai pas d'autre choix que de l'attendre jusqu'à ce qu'elle vienne. Prêtresse Amorgé doit être à moi. Au moins, j'ai de quoi me permettre de l'attendre. Le bon timing. Je pourrais peut-être m'asseoir là. Comme ça, ceux qui communient avec les dieux volent? N'importe quoi. Et qu'est-ce que je t'ai volé? Le cœur de celui qui m'aime. Fais attention, car j'ignore de quoi tu parles. Ugona m'aimait tellement avant que tu ne fasses surface. Fais attention, les voix des dieux ne sont pas les voix des hommes. Alors dis-moi, quel sacrifice dois-je offrir pour récupérer l'amour de ma vie? N'insulte pas. Ce n'est pas mon intention. Mais s'il te plaît, reste loin de mon âme. Ou encore mieux, va dans la forêt maléfique et trouve-toi un prêtre avec qui t'amouracher. Que ce soit la dernière fois que tu m'interpelles sur cette affaire. Kaswa! Et
puis quoi encore? Regarde-les. Casse-toi. Regardez-les. Oh, Timo! Oh, Timo! Eh, 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 oh, Timo! Combien de temps que tu es là? J'ai arrêté de compter le temps. Et qu'est-ce qui t'amène? Ma prêtresse. Je suis venu voir le visage de la belle femme qui, selon la tradition, les dieux ont fait d'elle mienne en tant que gardien de l'Ophor. L'Ophor n'est pas à toi. Tu la gardes simplement pour lui. C'est ce que tu crois? Je ne le pense pas. Je le sais. Mais c'est pas vrai, ma chère prêtresse. Tant que je suis en possession de l'Ophor, ne suis-je pas censé profiter de tous les avantages et les droits qui y vont avec? Les larmes et l'eau sont semblables, mais ils n'ont absolument pas le même goût. La vie pourrait ne pas se passer comme on le veut. La voix des dieux n'est pas la voix des hommes. Mais, ma chère, cet homme que voici a baissé toutes les armes pour toi. Je suis amoureux de toi. Et qu'en est-il d'Amara? Ah, oublie cet Amara. Amara, c'est du passé. Je vois. Rentre chez toi. Je ne suis pas à toi. J'appartiens à celui qui est véritablement destiné à garder le fort. Mais ma lady... Je ne suis pas ta lady. Cette dame que voici appartient aux dieux. Ma lady... Attends. Écoute, maintenant. Le feu sur ta mère n'est pas et ne sera jamais la meilleure manière de résoudre ce problème. Mon nom c'est Ekwenso, Okene Gweosu. Ma mère a merdé, c'est pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que tu me comprends? Si tu finis par la tuer, qui témoignera que tu es le véritable propriétaire de l'Ophor? Mais pourquoi ma mère m'a fait une chose pareille? Hein? Ce pourquoi? Ce n'est pas totalement de sa faute.
Comment? Sa santé mentale. Bien. Je sais qu'elle a des problèmes mentaux. Elle est mentalement stable. Mais ce n'est pas une raison pour donner mon droit à mon frère cadet. Ekwesu, ta mère a un trouble de mémoire. Peut-être qu'elle ne se souvient pas que l'odorat qu'elle a donné à ton frère, elle le tient. Le trouble de mémoire n'est pas une excuse, monsieur. Ah ah, nous parlons de mon droit de naissance quand même. Tu sais quoi, écoute, changeons de sujet, je ne veux pas de problème. Ne m'énerve pas, arrête de raisonner comme un con. Au lieu d'être de mon côté, tu supportes les bêtises. Ekwesu. Je sais même de quoi il s'agit. Mon droit de naissance, t'entends? Osso Eko Obilala. Ah, Ekwesu. Ekwesu. Hey, maman, c'est bon. Hey, c'est bon. Arrêtons-nous là. Hey, Ewo. T'en fais pas, maman. Ewo. Il n'est pas là. Hey. Ewo. Maman, maman, est-ce que tu te souviens? Je n'ai rien donné du tout. Que lui appartienne à Ogona. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Est-ce qu'il vient? Mais maman, la prêtresse ne t'a-t-elle pas donné le fort pour le garder? Écoute, je ne me souviens pas non plus avoir pris quelque chose venant de la prêtresse. Maman, réfléchis. Vas-y, réfléchis. Hein? Maman, il n'y a rien à réfléchir. Rien à réfléchir, parce que rien du tout ne m'a été donné. Rien ne m'a été donné. Vous devez me laisser tranquille. Hein? Maman, je comprends, mais calme-toi. Prends un moment pour réfléchir si... Il n'y a rien à réfléchir. Maman, te fâche pas. Te presse pas de répondre. Prends un peu de temps pour réfléchir, s'il te plaît. Alors, comme ça, vous me traitez de menteuse, n'est-ce pas? Je suis maintenant une menteuse. Non. Maman, c'est juste que... Tu sais que tu as un problème de... De perte de mémoire et de... Perte de quoi? De perte de mémoire. Chinedu, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Que je te pardonne? Oui. Pourquoi? Non, dis-moi pourquoi. Tu aimerais que je te pardonne pour avoir pris quelque chose qui me revenait de droit. Une chose pour laquelle repose ma destinée et ma fierté. Mon avenir, tu l'as donné à mon frère cadet et tu me demandes de te pardonner. Maman, le pardon ne suffit pas. Le message est simple. Tu dois me rendre ce qui m'appartient. Sinon, crois-moi, je te tuerai de mes propres mains. Oui, crois-moi, je te le promets. Je n'ai donné aucun offense à Ogona. Je répète, je ne l'ai pas fait. Le plus énervant, c'est que tu me fais passer pour un con. Qu'est-ce que tu dis? Tu as donné mon offense à mon frère cadet, vrai ou faux? Pourquoi tu veux nier? Je ne me souviens pas l'avoir fait. Je n'y arrive pas. Je ne l'ai pas fait. Oui, je ne l'ai pas fait. Maman, lorsque j'étais en prison, on t'a remis un offort à garder pour moi. Où est cet offort? Ogena Machowe, où est cet offort? Botorawon Ogonos, Ogona Masodo. Mais je ne m'en souviens pas. Tu ne te souviens pas? Si une telle transaction a eu lieu. Ma'anwa, emalonteu, elotérom. Maman, je sais que tu es mentalement instable. Tu as des troubles de mémoire, pas de souci. Mais le fait d'être déséquilibré n'est absolument pas un problème. Ce n'est pas une raison pour briser mon futur. Non, c'est pas parce que tu as des problèmes mentaux que tu penses que je vais relâcher quoi que ce Moi, soit. Moi, j'ai des je problèmes veux ce mentaux. Qui m'appartient. Je te le jure. Ce n'est pas la blague, c'est une promesse. Personne né du ventre d'une femme ne me prendra ce qui m'appartient, spécialement quand cela vient de ma mère. Donc, pour ton propre bien, trouve cet offort et rends-le-moi. Sinon, je t'assure, tu seras fichu. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Holubu Goyalo.
Je vais y penser et voir si je peux me souvenir, mais je... Maman. Je ne me vois pas. Maman, si tu veux, pense-y. Si tu veux, réfléchis. Mais si jamais tu ne trouves pas mon effort, laisse-moi te dire que ta vie est en danger. Il n'est beaucoup mon verre. Ta vie est en danger. Ah ouais, déjà maman bon enfant. Au moins déjà maman bon enfant. Si tu ne remets pas mon effort, je te le jure maman, ta vie est en danger. Est-ce que c'est de ma faute si je ne m'en souviens pas? Je ne m'en souviens pas. Maman, tu as l'air fatiguée et inquiète. Qu'est-ce qui te dérange? T'ai-je donné l'eau-fort? Maman, tu ne m'as pas donné d'eau-fort. Pas du tout. Tu en es sûre? Maman, j'en suis très sûre. Tu ne m'as pas donné d'eau-fort. Reste concentré, c'est le business et tu le sais. Sinon, je t'arracherai le sein gauche. N'importe quoi. Donc, du calme. Et c'est comme ça qu'après va naître le mépris. Fais comme chez toi. Et c'est comme ça que le visiteur gâche l'humeur. Laisse-moi te dire, mec. Cette histoire des gardes du corps, c'est comme ça que commence l'esclavage. Mais putain, la ferme! Donc, tu veux me dire comment gérer mes affaires? Je t'ai appris à faire ce business. Et si tu nous vends encore, je vais t'arracher les seins. La dernière fois que j'ai laissé gérer le business, le fruit n'était pas complet, connasse. Tout fun quand tu t'es tout appris, mais t'es qu'une incapable. N'importe quoi. Reste concentré. C'est quoi ça? Au sang, les gars. C'est comme on les filles. Les meufs. Au sang, les gars. On est là, les filles. Mais qui voilà? Je ne vois pas. Yeah, ouais. Démons. Le mal plus le mal. Démons. Oui, mais mon personnage. Ah, la bonne carte. Le maître des lieux. Tomia. Le roi lui-même. Wanetomia. La description totale. 3 fois vaincu la mort. Le démon lui-même. On ne fait pas la pub de la banane. Ah. Sans arracher. Effectivement. Ça chauffe. Effectivement. Le maître reste le maître. Attends. Ça chauffe. Ça chauffe. Il n'y a personne. Personne. Au quoi, Fanas? Tengo da. Le business. Ouais. Mon pote. Ouais. 20 plus 30. Égal à 30. 37! Fais voir! 37, c'est quoi? Effectivement, vainqueur, c'est pas ça! Et toi, fais-moi voir ce truc! Attends, allez, fais voir! Attends, j'ai la polo dans les yeux! Allahu Akbar! Est-ce que c'est complet? C'est complet! T'en es sûr? Je ne peux même pas te faire ce coup! Allez, donne-le-moi! Tu en veux? Vas-y, donne-le-moi. Personne ne t'a suivi? Non, personne. Il n'y a personne. Tu sais que je suis le plus grand par ici. Je sais. Diawale. Je comprends. Les costumes sont de grande taille. Je sais que tu es le plus grand par ici. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça ne peut pas t'aller. Je sais qu'il n'y a que toi qui peux les porter. Allah, Baba. Annewaya. Wande. Wato.
Awam. Ratouli. Lola. Hé, mon vieux. Aïe. Tu sais, tu es vraiment trop forte. Je ne sais pas si tu sais, mais je sais que tu es la meilleure parmi toutes les autres. Mec, tu me flattes, hein? Mais pas du tout. Il n'y a rien pour les garçons. T'inquiète. Allez, c'est bon. On gère. Allez, vas-y. D'accord. Allez, vas-y. Awam. Ma meuf. On est ensemble, les gars. Ouh. Écoute, mec. Cette fille, elle n'est pas sérieuse. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Tu es l'arme contre la tête. Regarde, est-ce que tu vois ça? Tinedou ou Ekwesu, peu importe comment on t'appelle. Je vois que la prison ne t'a pas fait perdre la tête. Donc tu as voulu mettre le feu sur notre mère. Elle est encore en vie parce qu'elle me mènera jusqu'à mon amphore. Je vais devoir la brûler si je ne retrouve pas mon amphore. Tinedou. Quelque chose, ce que tu penses être en train de faire. Arrête d'embarrasser notre mère. Cesse de t'en prendre à elle, sinon tu auras affaire à moi. Et puis, qui es-tu? Tu sais, quand je t'écoute, ne m'énerve surtout pas, sinon je vais te faire disparaître comme un éclair. Écoute, quoi que tu prévois faire, je te mets au défi de ne pas tenter, mais tu laisses notre mère en dehors de ça. Je ne peux pas la laisser en dehors de ça parce que c'est elle qui a eu le toupet de te donner ce qui m'appartient de droit. Parfois tu me fais rire. Ça te revient de droit. As-tu oublié ce truc d'enfant pour lequel tu pleurniches comme un gamin? Et en fait, rotatif. T'as oublié que l'enfant va d'une famille à une autre. Je vais te dire un truc que tu ignores. Pensez-y. Il se pourrait que les dieux me voient comme le premier fils. Ah. Ouais, ben, que tu as quoi, non? Ou on a tu as quoi, non, mon point, non, ça? Tinedou, vas-y, essaie. Fais ce que tu veux faire. Fais-le! Je reviendrai pour toi. Sors ce que t'as dans les couilles. Regardez-moi ce clown. Allez, dégage. Je vais te tuer, je te le jure. Quoi, souhait. Qu'est-ce que tu as? Ekwesu, t'es cinglé? Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que tu as envie de brûler notre mère vive? Mais elle l'aura cherché. Elle a cherché et maintenant, elle a trouvé. Elle a perdu mon fort. Et quand je lui parle, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'elle fait comme si elle ne connaissait rien. Elle fait comme si, voyons. Allez, voyons. T'as oublié le fait que maman a des troubles de mémoire. Tu parles français, elle a des troubles de mémoire. Elle a des troubles de mémoire, tout le monde le sait, mais ce n'est pas pour autant que ça doit affecter mon fort. Ekwesu, le fait que je veuille t'aider à récupérer ce qui te revient de droit ne signifie pas que je reste les bras croisés à te regarder brûler notre mère vive. Relax, je ne l'ai pas tué. C'est juste pour une routine. Je voulais juste l'effrayer, c'est tout. T'inquiète, tu vas... Tu dois aller lui présenter tes excuses. Moi, m'excuser? Tu dois t'excuser auprès d'elle, c'est notre mère. Je n'ai pas à m'excuser. C'est ça le problème. Ces histoires d'excuses et tout ça, moi je ne fais pas ça. Je ne le ferai pas. Je me demande pourquoi t'es si têtu. Oh, toi la Vierge Marie, dis à ta mère de me donner mon amphore. Tu sais pourquoi je voulais la brûler. Ok, tu voulais peut-être que je l'applaudisse. Donc c'est pourquoi t'as voulu réduire ta mère en cendre? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que tu racontes au juste? On récolte ce que l'on sème, c'est tout. Y compris ta mère, n'est-ce pas? Écoute, quiconque sème récoltera. Même si c'est mère. Tu ferais mieux d'aller lui demander des excuses. Okay, tu ferais mieux de t'excuser. Pas de problème, je vais le faire.
Je n'ai d'où, sale voleur. Pour la dernière fois, je vous demande de me remettre mon offrande. Kimo ! Tinedou, ne laisse pas les esprits du mal se réunir sur ta tombe. Il est où, mon enfant ? Je suis un peu Ogini. Hey, Biko, hey. Dis à ce mec de me remettre mon offrande. Biko, nous. Répète encore cela, je te casse la tête. Sale prisonnier de merde. Espèce d'ex détenu. Tu penses que je plaisante avec toi ? Donc, je sens que tu... Non, non, je vous en prie. Hein, baissez vos armes. Baissez vos armes. Que quelqu'un m'aide. Ah, allez, vas-y. Hey. Vas-y. Tuez-moi. Maman. Tuez-moi si vous voulez. Maman. Tuez-moi. Maman. Hein? Maman. Maman. Hein? Maman, laisse-le dire. Non, tuez-moi. Maman. Hein? Maman, c'est quoi ton problème? Ah. Je n'aime pas cette partie où ils se pointent les armes les uns contre les autres. Tout ce que je voulais, c'était de... voler l'OFO, également de leur prendre leur argent. Et à qui vas-tu prendre de l'argent? À personne. Je me parlais juste à moi-même. Où est maman? Elle est à l'intérieur. Je vais aller la voir. Qu'est-ce que tu veux? Hé, les mecs! Agonugueyo, j'ai passé dans le coin et j'ai décidé de venir voir mon pote. Où est mon fric? J'avais de l'eau dans la bouche le jour où j'étais parlé. Vraiment? Je l'ai utilisé. Alors, tu dis avoir utilisé mon argent? Hein? Je t'ai dit que j'ai épuisé cet argent sur la cam. 1,5 million n'est pas assez pour moi. Applaudissez pour un gars. Tu as utilisé mes 1,5 million de naira dans la drogue. Oui, grand maître, je vais épuiser ta destinée, t'as même pas idée. Envoie. Alors sache que je vais te tuer. Où est mon argent, crétin? Tu l'as épuisé dans la drogue. Mec, je te jure que si tu ne me rends pas mon fric, je vais te mettre une bonne raclée. Mais calme-toi, je suis aussi chaud que toi. Écoute, si tu ne me rends pas mon argent, je vais te mettre une bonne raclée. Tu blagues avec l'argent de qui? C'est à moi que tu pars. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Tu crois que je plaisante, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Maman, depuis que tu m'as fait venir ici, tu n'as rien dit. Au contraire, tu tournes à rond comme un chien perdu. C'est quoi le problème? Je suis confuse. Mais qu'est-ce qui te préoccupe, mon adorable mère? Est-ce que, à un moment donné, je t'ai donné le fort de ton frère, que dis-moi. Que Dieu m'en garde. Maman, l'unique fort que j'ai en ma possession est celui qui m'a été donné par la prêtresse elle-même. Hein? Alors, pourquoi me met-il la pression de lui rendre ce qui lui revient? La prison a rendu ce mec cinglé. Quel être humain normal dans ce monde moderne choisirait le nom de Ekwesu? C'est ça son nom? Maman, tu oublies trop. C'est ça son nouveau nom. Ekwesu. Ah ah. Je me sens coupable. Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Maman. Mon adorable maman. Tu n'as à t'inquiéter de rien.
Tu as ton fils. Ogona est là pour toi. Ne l'oublie pas. Je serai toujours là pour toi. Alors tu n'as rien à craindre. Tu en es sûr? Bien sûr, maman. Oh. Viens là. Mets-moi un sourire sur ce visage. Mon adorable maman. Tu sais que je t'aime, non? Je t'aime aussi. Je suis confuse. Ne le sois pas, maman. Mon amour. C'est toi? Je suis là. T'es sorti de prison et t'as pas cherché à me voir. Désolé pour ça. Depuis mon retour de prison, je suis occupé à me battre pour ce qui est à moi. As-tu trouvé ce pourquoi tu te battais? Non. Ton frère risque de tomber dans son propre piège, tu sais? Devrais-je m'inquiéter pour eux? Jusqu'à ce que tu retrouves cet eau-fort, je ne serai pas avec toi. Tu dois te dépêcher avant que les dieux ne scellent leur lien avec lui. Mon frère prétend que tu lui as remis l'eau-fort. C'est un gros mensonge. Louis a été donné à ta mère de le garder pour toi jusqu'à ton retour de prison. Mais ma mère nie également avoir reçu l'eau-fort venant de toi. N'oublie pas que ta mère est mentalement instable. Alors, que suggères-tu? Fais preuve de sagesse et récupère ce qui est à toi. D'accord. S'il te plaît, puis-je avoir un câlin ou un baiser? Pas auprès des dieux. D'accord. À plus tard alors. Anga, Ekwensu et toi est en guerre. Je vais l'écorcher vif. Mais écoute, c'est ton ami. Mais dis tout. Anga, dis-nous quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Tony, tu vois ce crime qu'il a envoyé en prison. C'est moi qui l'ai commis. Et il est très en colère contre moi parce que je ne suis jamais allé lui rendre visite en prison. Et aussi le fait que j'ai investi ces 1,5 million dans la drogue. Anga, écoute. Anga, cette histoire n'a rien de drôle. Vraiment rien de drôle. À ce stade, mec, t'as vraiment merdé. Je t'assure. J'ai vraiment, vraiment, vraiment les nerfs qu'il soit sorti aussi vite. Oh, mec. Comment ça, il est sorti si vite? Tu vois, Chinedo a été condamné à 21 ans de prison. Mais il est sorti après. Après 6 mois. Moi, je te suggère un truc. Fais la paix avec lui.
Seuls les faibles font cela. Je le poursuivrai jusqu'à ce qu'il implore mon pardon. Et Ekwensu qu'on connaît est un sale type. Si Ekwensu est un sale type, alors je suis pire. Écoutez, trouvez-moi de la cam à sniffer. Je dois me remonter. Regardez comment je tremble. Vas-y, je reste là. Ok. Kineto. Maman, je m'appelle Ekwensu. Respecte ça. Ok. Je suis désolée. Ekwensu. C'est mieux. Je ne suis pas ton ennemi. Pourquoi me traites-tu comme tel? Maman, t'es devenu mon ennemi le jour que t'as donné ce qui m'appartenait à mon frère cadet. C'est tout fort. Ekwensu, tu persistes à dire que j'ai donné ce qui te revient. Mais je n'ai rien donné du tout, Shinedo. Maman, c'est ça mon problème. Tu me fais passer pour un idiot à chaque fois que tu dis ça. Dis que tu ne t'en souviens plus ou que t'as oublié, je suis certain de ça. On t'a donné mon haut fort. Il était question que tu le sécurises pour moi. Tu l'as donné, maintenant tu me dis que non, s'il te plaît, je ne voudrais pas que tu insultes mon intelligence. Non, je ne veux pas ça. S'il te plaît, je répète, fouille dans ton cerveau. S'il te plaît, je répète pour ton propre bien. Fouille dans ta mémoire parce que si je n'entre pas en possession de mon haut fort, maman, considère que t'es mon ennemi. Je te le jure. Et tu sais ce que ça veut dire. Je le redis, considère que t'es mon ennemi. Tout ce qui adviendra sera ton problème. Un mot de plus de ta part, Anaïs, tu recevras la meilleure gifle de ta vie. Sache que je n'ai pas du tout peur de toi. Tu voudrais d'abord qu'une bombe te tombe dessus avant de voir à quel point je suis sérieuse. Encouché, Lagadi, pourquoi es-tu furieuse? Je te dis un truc très simple, que c'est mauvais de supporter Frère Ekwensu devant notre mère. Sais-tu que cette force que tu as appartient vraiment à Ekwensu? Bien sûr que je le sais. Et maman te l'a dit plusieurs fois qu'elle n'a jamais remis cette force à Ogona. C'est triste de voir que vous croyez à une femme qui n'a pas tous ses sens que de croire à votre frère Saint-Esprit. Un peu de respect, Lola. Pour l'amour du ciel, un peu de respect. Maman n'a jamais souhaité avoir des problèmes de troubles de mémoire. Ce qui est arrivé à Ekwensu peut arriver à n'importe qui. C'est de notre devoir d'être rassemblés. Et de faire que ça marche pour qu'il regagne sa destinée. Écoute, j'apporterai mon aide à mon frère Ekwensu. Si et seulement si, il cesse d'insulter maman. Et c'est ça, ma position. Lily, à te voir calme ainsi, j'espère que tu ne prévois rien. Allez, parle, meuf, ne reste pas calme. Je ferai droit tout un tas de trucs. Je planifie beaucoup, beaucoup de choses. Je ne comprends pas. Tu vois, cet euphore qui cause du désordre, ça et là. Je prévois le voler. Mon Dieu, vraiment? Je vais te donner un conseil. Tu vois tous ces problèmes que ça a causé. Non. Je t'en supplie pour l'amour de Dieu, Pico. Il faut laisser cette histoire de fort. J'ai besoin d'argent. Je suis vraiment fauchée. Chineke. Si l'euphore disparaît, ils se calmeront. Veux-tu tuer maman? Elle ne va pas mourir. T'en fais pas, je ne vais... C'est à cause de ce que je t'ai dit que tu veux déjà mourir? Non, je ne le ferai plus, t'inquiète. Non, c'est trop sérieux. T'amuses plus avec ce genre de choses, s'il te plaît. C'est très grave, t'amuses plus avec. Je ne le ferai plus. Je ne vais pas voler. Donc, t'avais vraiment prévu de le voler? Je blaguais juste. J'espère bien que c'était une blague, Biko. Ogun, allons voir cette femme, allons-y. Non, laissez-la. Elle n'a pas de problème, cette femme. Faut la laisser, pas la déranger. Dans cette communauté, on les a promis de payer leurs impôts, ils doivent les payer. Ils doivent payer leurs impôts chez nous, et personne d'autre. Oui, c'est quoi votre nom? Payez vos taxes, vous avez payé?
Vous les avez payés chez qui? Mais putain de bordel de merde, qu'est-ce que vous avez payé vos impôts? Puis-je le savoir? Je vous l'ai dit, vous êtes sortis en retard. Venez, on y va. Écoutez, si quelqu'un d'autre a fait collecter vos taxes, dites-lui non. Ok. Ok. Et lui là, il a payé. Monsieur, j'ai déjà payé. Qui avez-vous payé? Mais que racontez-vous? Ils m'ont pris de l'argent. Déjà payé, je peux pas payer. Vous n'avez pas de cerveau, quoi? Monsieur, j'ai déjà payé. Attends. Je peux pas payer deux fois, j'ai déjà payé. Donc, si je comprends bien, vous donnez notre argent à n'importe qui, c'est ça? Monsieur, ils ont dit que vous les avez envoyés. J'ai payé. Vous avez payé. Qui me revient ici? Je peux plus payer. Je ne peux pas payer. Savez-vous ce qui me revient? Moi, je ne sais pas. Ce sont vos frais. C'est ce qu'ils ont dit. Allons prendre quelque chose, mec. Allons-y. Non. Ne touchez à rien. Ne touchez à rien, s'il vous plaît. J'ai déjà payé. Celui-ci s'est enfui, n'est-ce pas? Il s'est enfui, il s'est enfui. Allez, voilà, il veut s'enfuir. Venez ici. Eh oui, vous, venez par ici, venez. Eh, écoutez, payez vos taxes, écoutez, allez, payez vos taxes. Vous avez payé? Êtes-vous sûr d'avoir payé vos taxes? Nous avons déjà payé, nous avons payé. Maintenant, laissez-nous travailler. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je dois travailler. Tout le temps, payez les taxes. Payez rapidement. Vous l'auriez pas fait, vous allez payer les taxes. Êtes-vous sûr d'avoir payé vos taxes? Frère, nous avons payé. Tout le temps, les taxes, ça veut dire quoi? Vous avez payé vos taxes? C'est à nous que vous devez payer les taxes et à personne d'autre. Pardon, j'ai déjà payé. Passez votre chemin. Non, mais c'est quoi tout ça? Tu entends ça? Vous avez vu ça? Mais est-ce que tu te rends même compte de ce qu'il y a? Comment ça, en avoir marre? Est-ce que tu te rends compte? Hé! Hey, écoute, tu vois ce que fait Angar dans cette communauté? Tu vois ce qu'il fait? Vous l'avez bien dit, non? Madame. Qu'y a-t-il encore? Les taxes, madame. Les taxes? Oui. Vous êtes qui, vous? Qui sont ceux qui ont collecté avant? Madame, avez-vous payé, oui ou non? C'est ça le problème. Que je paye encore? J'ai payé, ainsi que tout le monde. Nous avons tous payé. Dites-nous si vous avez payé, oui ou non? C'est tout ce que je veux savoir. J'ai dit que j'ai payé. J'ai payé il y a un moment. Madame, cessez de me regarder. J'ai déjà payé. Madame, je ne vois pas votre nom ici. Je ne vois pas votre nom. J'ai déjà payé. J'ai déjà arrêté de me regarder ici, madame. Hé, Sam. Mon nom est là, Monica. Elle veut des ennuis, c'est un. Tu sais quoi? Monica, vous ne voyez pas mon nom là-bas? Monica, vous avez dit que vous ne voyez pas Monica? C'est ça, Monica? Madame, entrez, tu m'apportes une bouteille de bière. J'ai déjà payé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce frigo? Où est ma poubelle? Je vais la chercher. Vous allez rester là, madame. Apporte-moi une bouteille de bière. Oui, dépêche, vous allez rester là-bas. Voilà, c'est une bonne bière. Monsieur, ramenez-moi ma bière ici. Ça suffit, calmez-vous. Elle vous fera beaucoup pisser. Écoutez, madame. Ramenez ma bière, elle vous fera pisser, Et arrêtez de faire ça, madame. Lundi, d'autres personnes. Mardi, c'est vous. Madame, allez donner mon truc, là. Monsieur, laissez votre viande, ne la touchez pas, Arrêtez ça rapidement. C'est pour la viande. Je peux vous en mettre une, allez dégager de là. Regardez-les. Vous avez l'argent que vous nous devez. Vous passez tout votre temps là. Lola, s'il te plaît, excuse-moi. Lola, s'il te plaît, c'est moi, Amara. Amara. Amara, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, j'aimerais que tu m'aides à parler à ton frère. Pourquoi veux-tu que je lui parle? Lola, ma puce, ne le vois-tu pas? J'aime ton frère plus que tout. Je l'aime tellement et je ne veux pas le perdre. Ça, c'est très drôle. Lola, regarde-moi. Il m'a quittée pour la prêtresse. Et Amara, ce n'est pas juste. Amara, laisse-moi te dire quelque chose. Je ne vais t'aider à parler à personne. Je ne peux pas t'aider à parler à mon frère. Si tu as besoin d'aide, tu peux demander à l'une de mes sœurs. Ah. Oui, mais maintenant, ma sœur, j'ai pas de temps. Je dois y aller. Lola. Mais qu'est-ce qu'il y a? Lola, ma belle. Lola, chérie, aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi une raison de te payer. Genre, pourquoi est-ce que je dois le faire? Que je te donne une raison? Ouais, je veux l'écouter. Écoute, la vérité, c'est que
ça m'éviterait de te le voler à toi et de le donner à Frère Kwemso. Ah. Alors là, t'as une bonne raison. En réfléchissant, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me voler le faux d'où je l'ai caché? Tu me sous-estimes vraiment. Mais fais-moi confiance, les résultats te surprendront. De voir les résultats, tu sais quoi? Vas-y, vole-le. J'ai pas un rond à te donner. Dégage. T'es sérieux, là? Dégage. Dégage. Tu ne diras pas que je ne t'ai pas prévenu. Dégage d'ici, tu veux? Tu ne diras pas que je ne t'ai pas prévenu. Tu vas dégager maintenant. Ha. N'importe quoi. Allah ou Akbar.
Sa sœur, Liliane, m'a raconté l'histoire. Démon, ne peux-tu pas voir que la quête de Kwesu pour cet fort divise la famille? Quelle importance? Peux-tu m'en dire un peu plus sur cet fort? Qu'y a-t-il de si spécial? L'fort n'est pas héréditaire, mais rotatif. Il choisit la famille dans laquelle s'établir. Donc, elle appartient à toute la famille? Pas du tout. Le fils aîné de la famille a la responsabilité de l'enfant. Pourquoi est-ce que ses frères se battent pour cet enfant? Rien d'autre que la cupidité. Pour qu'il en vienne à se battre, cet enfant doit venir avec des avantages. Oui. Quiconque a l'enfant épousera la prêtresse. Et ce n'est pas tout. Il récupérera les taxes des boutiques et des marchés pendant la période que l'enfant sera dans sa famille. Et si la prêtresse est mariée? Et il épousera la fille qui prendra la relève de sa mère. Tu as dit que la prêtresse était déjà amoureuse de lui avant qu'elle ne soit dans le ventre de sa mère. Oui. Oui. C'est pour cette raison qu'il doit garder l'enfant. Quiconque prend l'enfant ne peut pas épouser la prêtresse s'il n'est pas destiné. Nous devons trouver l'enfant le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. On doit le trouver le plus rapidement. Lily, tu m'as fait attendre. Désolée, qu'est-ce qu'il désolée, y a de spécial à cet endroit précis, au lieu de nos lieux habituels? Mon amour, je suis venue parler business avec toi. Business? Mm-hmm. En passant, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Ouvre-le que je voie. Laisse d'abord ce sac, laisse. Écoute, si je te présentais le fort de mon frère, est-ce que tu l'achèterais? Ne me dis pas que tu as volé le fort. Je l'ai volé ce matin. Alors, à combien tu veux le vendre? 300 000. 300 000? Ah. Uh-huh. Tu es ma meuf. Voyons, c'est trop cher. C'est ça, Orion. Ok, je te donne 100 000. Pour faire quoi? T'es pas sérieux? Le dernier prix que je peux encore accepter, c'est 295 000. Va chercher l'argent. C'est ton dernier prix. Mmh. 295 000. C'est tout. D'accord. Je vais chercher l'argent. Mmh. Maintenant, je tu vais parles le chercher. Bien. Maintenant, tu parles bien. Va chercher l'argent. Sinon, je vais le vendre. Mais tu sais que le prix est un peu trop fort, là. C'est moins cher. C'est parce que c'est toi que je le vends comme ça, tu c'est moins cher. Tu sais que cet fort est fait de façon locale. Le fort est Viens un là. Symbole d'autorité. Viens à moi, ma petite chérie. C'est pourquoi je te l'ai apporté. Viens à moi. C'est pourquoi je te l'ai apporté. Tony, je déteste vraiment ce mec. T'as même pas idée. Vous ne pouvez pas voir. Tu n'as qu'à voir comment il me regarde. Regarde qui arrive. Avec cette démarche de je ne sais pas trop quoi. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Lola Boss. Ah. Quoi de neuf? Qu'est-ce qu'on dit? Viens par là. Je suis là. Salut. Il n'y a rien pour moi. Rien pour toi? Ai-je l'air d'un magasin ou quoi? Je suis dépassée. Hein. Il est sérieux ou quoi? Pourquoi est-ce que tu ne me fais plus de livraison? Tant que tu luttes contre mon frère, rien pour toi. C'est comme ça que ça marche. Attends. Écoute, si tu as dit que moi, Anga, je le cherche, c'est plutôt lui qui me cherche. En ce qui me concerne, tant que tu lui fais la guerre jusque-là, rien pour toi. À plus tard. Mais tu crois où, là? Oh, hey, essaye voir, hey. Idiot. C'est bon. Mais regarde ces filles. Tout ça, c'est à cause de toi, boss. Mais mec, attends. Elle est sérieuse. Tu vois maintenant où on en est. Anga, on pourrait la bloquer et lui prendre la cam, on pourrait. Pas. J'ai des yeux sur elle. C'est un crime si je mange 2 heures. Et elle n'est pas seule. Ne t'avise pas. Mais qui la couvre? Démon.
Si tu l'essayes là, ne sois pas surpris qu'elle te casse les couilles. Elle te fera péter les jambes et tu ne feras. Tu connais le dossier de cette fois. C'est donc à ce point. C'est pas pour elle. Oh, je vois. T'as l'air de maîtriser. Voulait me voir. Il est grand temps que votre famille garde le fort. Oh. C'est bon d'entendre que nous avons trouvé grâce aux yeux des dieux. Cet fort est pour Tinetou. Gardez-le pour lui jusqu'à son retour. Merci. Je vais le garder pour lui. Je m'en vais maintenant. Thank you.
Tu voulais me voir. Pendant que je faisais ma consultation ce matin, les dieux m'ont donné un message pour toi. Les dieux t'ont donné un message pour moi. Oui. Alors, je t'écoute. Les dieux demandent à ce que tu gardes tes mains propres. Depuis que je suis sorti de prison, mes mains sont propres. Une grosse tempête est sur le point de s'abattre. Lorsque ça arrivera, assure-toi de garder tes mains propres. Ok. Maintenant, ferme-la. Je te parle et tu oses me répondre. Qu'est-ce qui te prend? Écoute-moi très attentivement. Je ne veux plus te voir auprès de cet idiot de Shinedu qui s'appelle maintenant Ekwensu. Enfin, il n'est pas idiot. Il n'est pas un idiot. Un ancien détenu, et tu dis qu'il n'est pas un idiot. Ce n'est pas un ancien détenu. C'est mon ami. C'est ton ami. Tu le connais assez bien. Ce mec, c'est ton ami. C'est un ancien détenu. Frère, il n'est pas un ex-détenu. Il ne l'est pas. Oh, tu n'es pas au courant qu'il vient de sortir de prison. Je t'ai dit quelque chose, tu me racontes des bêtises. Tu crois que je n'ai pas appris qu'il t'amène à l'hôtel Rouge. Ah, grand frère. Grand frère, c'est un bon gars. Voyons, il n'est pas comme il ça. Il n'est pas comme ça. Écoute, il était mon ami, mais plus maintenant. Il n'est qu'un pauvre con. Je ne voudrais pas d'une situation où il t'utilise contre moi. Shinedu n'est pas comme ça. Shinedu est un bon gars. En fait, c'est un homme bien. Ok, tu le connais mieux que moi maintenant. Regarde-toi-même, tu viens de l'appeler Ekwensu. Le diable, le Satan. Juste une preuve qui démontre qu'il vient de sortir de prison avec un cœur noir. Il est venu voler, tuer et détruire. Il est le diable maintenant. Oublie ce nom, mon frère, c'est un homme bien. C'est un homme bien. Écoute, je ne vais plus te mettre en garde. C'est clair, je ne vais plus te mettre en garde. Amara, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui te prend? Il y a un truc qui ne tourne pas rond chez toi? Ou alors t'es complètement devenue folle? J'ai l'air en forme à tes yeux. Quand tu me regardes de la tête aux pieds, est-ce que j'ai l'air en forme Amara, à tes yeux? Amara, arrête avec tes bêtises et tourne la page. Que je tourne la page? Ogona, sais-tu que depuis le jour où tu as brisé ce qu'on avait, je suis presque morte à l'intérieur. C'est quoi cette attitude de merde? Amara, mais faut lui la paix et va de l'avant. Espèce de noiro, je ne t'ai pas branché. Reste Amara, en dehors. Amara, tu vas arrêter ça tout de suite et arrête de t'adresser à mon ami ainsi. Tourne la page. Es-tu au courant que le gardien de l'enfant est supposé se marier à la prêtresse? Ah oui. Le sais-tu? Dégage devant moi. Ogona, je n'irai nulle part. Il va falloir me renverser avec ta voiture. Je t'aime. Pour l'amour du ciel, que veux-tu que... Ah que je te renverse avec ma voiture? D'accord, reste là, tu vas voir. Amara. Ogona. Amara. Que Dieu te punisse. Sale con. Ogona. Dio. Ogona. Attends. Ogona. Amara. Ogona. Amara, calme-toi. Ogona. Calme-toi. Amara, s'il te plaît, calme-toi. Ogona. Qui est-ce? Amoury? Bon après-midi. Que fais-tu là? J'aimerais voir Shinedu, il est là. Le voir pourquoi? Je suis là pour m'excuser. Hein?
Tu es malade. As-tu vu ce que ton idiot de frère et ses amis ont fait à mon frère Ginedo? T'as vu ça? C'est pourquoi je suis là, pour lui présenter mes excuses. Et pour mon frère. Des excuses, mon œil. Idiote. Des excuses, on n'en a pas besoin. Je suis désolée. Miko, va-t'en. S'il te plaît, je veux J'ai dit voir. Va-t'en. S'il te plaît, je veux juste le voir. J'ai dit de partir. S'il te plaît. Allez, va-t'en avant que je t'explose la cervelle, pétasse. Que le tonnerre te frappe. Idiote. Tu veux voir mon frère. Wakatia. Les filles, vous ne croyez pas qu'on s'attaque à la mauvaise personne? Dis-lui, oh, dis-lui. De quoi vous parlez? Écoute, nous devons donner une bonne leçon à cette prêtresse. Hein? Si c'est ce que tu insinues, ne comptez pas sur moi, Ifunaya. Et pourquoi nous devons lui donner une leçon? Sérieusement? Oui? Ne le vois-tu pas? Ne le voyez-vous pas? Elle est la cause de la peine que tu endures actuellement. Ah! Regarde, faisons-lui peur, hein? Puis elle prendra ses distances. Ifunaya, comment peut-on effrayer quelqu'un qui dîne avec les dieux? Très bonne question. Ne vois-tu pas comment elle est terrifiante? Pardon, j'ai peur, je ne peux pas le faire. Tu as peur d'elle. N'est-elle pas faite de chair et de sang comme nous? N'est-elle pas faite de chair et de sang? Il faut y penser, pardon. Vous me fatiguez même l'esprit. Tu t'imagines? Genre, tout lui est perdu. Est-ce que tu entends ce qu'elle dit? Tu t'imagines? Oui. Oui. Redescends sur terre. Mon fils, tu n'aurais pas dû confronter ton ami. En tout cas, si je suis là, c'est pour te faire savoir que je me suis rappelé qu'Holofort m'a été remis pour toi. T'es sérieuse? Oui. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis longtemps. Alors, où est-ce que c'est? J'essaye encore de me rappeler où je l'ai gardé. Donc, tout ce que je te demande, c'est juste un peu de temps. Une fois que je me souviendrai de l'endroit où je l'ai gardé, je te le donnerai. D'accord, mon fils? Biko. De combien de temps auras-tu besoin? Environ une ou deux semaines. Sois précise, une ou deux semaines. D'accord, donne-moi deux semaines. Alors tu l'as. Na, tu sais que je t'aime. Ta mère t'aime beaucoup. S'il te plaît. Ne m'approche pas. Baya Wotukani. Baya Wotukani. Kambebele Yawa. Mikonu. Je perds, c'est ce que tu veux. Odu. C'est ce que tu veux. Nguano Okofo. Tu auras ton offre. Ceux-là ne savent pas qui je suis. Hein? Quel culot. Ils ne savent pas. Il leur faut, on rappelle. Ils ne savent pas qui je suis. Ils veulent m'apprendre. Pas dans cette vie. Moi, Anga. Hein? Ils vont comprendre. Ils ne savent pas. Un par un. Ils osent s'amuser avec moi de la sorte. Moi, Anga. On va tous. Ils vont savoir qui est Anga. Hey! Allez, viens avec toi. C'est encore quoi ça? Anga. Allez, ferme-la. Allez, descends maintenant. Chut. J'ai dit, assieds-toi. En salon. Allez, à terre maintenant.
Assieds-toi à terre. Ça y est, on est à terre. Tu es malade. Lola Labos. Je vais te mettre une raclée. Lola Labos. Non, pitié. C'est bon, ça y est, on est à terre. C'est une âme que tu as là. Je suis calme. Ça y est, on va s'allonger. Tu penses que tu peux l'emmerder, mon frère? Il est en tirer libre. Moi. Pas question. Pas question. À terre. Désolé. Va-tu la fermer? Te fâche pas. Ferme-la. Je ne veux rien entendre. Ferme-la. Ferme-la. J'ai dit ferme ta bouche. Tiens-toi bien. Avant que je ne te donne un coup. Te fâche pas. Baisse-toi. Je m'allonge. J'obéis. Écoute bien. Un dernier avertissement. C'est la toute dernière fois. La dernière fois. Si vous emmerdez encore mon frère. Si vous emmerdez mon frère Iquenso, je vous mettrai le cigare dans l'œil. Vous êtes malade. Ne fâche pas. Allez, dégagez de ma vue. Partez d'ici maintenant. Allez. Fichez le camp. Partez d'ici, espèce d'abruti. Jolie princesse de Kazwa, c'est dont le sourire fait briller le jour, mon amour. Je ne suis pas ton amour. Ma chère, quand vas-tu cesser de refouler mon amour? Malgré le fait que je t'ai dit maintes fois que je suis le gardien de l'Ofo. Le fait que le gorille saute d'un arbre à un autre ne fera jamais de lui un singe. Les dieux demandent à ce que tu rendes le fort à celui à qui il est destiné. Ma prêtresse, tu parles tout le monde en parabole. Pourquoi devrais-je le faire? Le couronnement du nouveau roi est dans les deux prochains siècles de la lune. Et le gardien de l'eau fort est mieux placé pour le faire. Ma prêtresse, ai-je l'air d'avoir un handicap physique? Ai-je l'air d'avoir un problème à couronner le nouveau roi? D'après ce que je sais, je n'en ai pas. Ne défie pas les dieux sur un terrain de boxe. Abouala Tigibois, tu es prévenu. Ma prêtresse, pourquoi les dieux sont-ils injustes envers moi? Abouala Tigibois. C'est carrément injuste. C'est Anga. Qui est-ce qu'on attend comme ça? Elle n'est pas Anga. Venue. Où est Lily? Elle n'est pas venue. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde l'heure, mais où est-elle? Je suis dépassé. Qu'est-ce qui se passe? Donc elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. C'est pas vrai. J'ai hâte d'en finir avec cette famille. S'ils savaient ce que je leur prépare. Elle est ici.
Nawal, qu'est-ce qui t'a pris tant de temps? Non, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Tu l'as? Oui, oui. Je veux voir. D'abord le fric. Donne-le-moi. Non, donne-moi d'abord le fric. Voilà. Tony, qu'est-ce que tu vois? Je vois le pouvoir. Je vois le pouvoir. Oh, Ganga. Oh! Qu'est-ce que tu vois? Mon Dieu, le contrôle total et la domination. Seigneur. On a percé. C'est nous. On a percé. Alors, la puissance. On a percé. Mais où ai-je bien pu garder cet enfant? Mon Dieu, s'il te plaît, conduis-moi où il se cache. Avant que la folie de ce garçon ne revienne. Mais où dois-je donc le chercher? Hey! Hey! Hey, toi! Et coinçou ou peu importe comment on t'appelle, l'unique raison pour laquelle le diable entre dans une famille, c'est pour voler! Pourquoi t'aimes faire de bruit? C'est quoi ton problème? Tu me traites voleur? Bien sûr, c'est ce que tu es! Si tu en étais pas un, tu serais pas allé voler le faux où je l'ai gardé! Qu'est-ce que tu dis? Tu blagues, n'est-ce pas? Fais pas semblant! Fais pas semblant et rends-moi le faux! Écoute-moi! Si t'as perdu cette fois, je répète encore, si t'as perdu cette fois, je te jure, tu peux être sûr que je vais te tuer. Tu dis de façon directe ou indirecte ce que je vais te faire si tu ne me donnes pas mon enfant. T'es au courant que cette fois dont tu parles m'a été donnée? T'as une idée? C'est pas mon problème. T'entends? Lis sur mes lèvres. C'est soit tu me donnes mon enfant, soit t'es un homme mort. C'est ce qu'on verra. On va voir. On verra. On va voir. T'inquiète pas. Tu vas voir. Hey, Kazwa, arrêtez-moi ça. Pourquoi tu me barres le chemin? Parce qu'on est là pour te donner une leçon que tu as refusé d'apprendre. Laissez-moi passer, car je n'ai rien à voir avec vous deux. C'est écrit où? Tu es la raison derrière toutes les peines que j'endure. Alors j'aimerais te donner une dose des pleurs que j'ai versées chaque jour. Oui, espèce de méchante sorcière! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux la vaincre, mais sur moi, tu n'as aucun pouvoir. Pardon. Kasu! Je ne suis pas désolée, tu auras de mes nouvelles. Tu m'as fait peur, là.
Anna, où est Lily? Où est Lily? Elle est sortie, j'espère que tout va bien. C'est quoi le problème? Maman, reste en dehors de ça. Reste en dehors de ça. Ah tiens, hé, Lily, toi, viens. Viens ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où est mon enfant? Quel fort? Où est-ce que tu l'as mis? Joue pas avec moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas avec moi, sinon je vais t'en coller une et refaire ton portrait. Ah, je ne sais rien de cet enfant. Donc je ne sais pas de quoi T'as menacé de voler cet enfant. Et maintenant, il a disparu. C'était juste... Non, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Parce que si c'était le cas, l'enfant n'aurait pas disparu. Je ne sais rien de ton enfant. Je n'ai pas pris ton enfant. Alors arrête de crier pour rien. Tu ramènes mon enfant, sinon ce qui arrive au traître t'arrivera. Retiens cela. Je n'ai pas son enfant. Ne me regarde pas comme ça, je n'ai pas son enfant. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, non? S'il te plaît, masse mon pied. Oui, masse-le, masse-le. Mm-hmm. Liliane. Liliane. Hmm? Liliane. Eh? Tout ce que j'aimerais que tu me dises, c'est la vérité. Regarde, je te jure, je n'ai pas volé le fort. Je ne l'ai pas fait. Maman dit que le fort s'est égaré. Chinedu, crois-moi, je ne lui ai donné aucun enfant. Je ne l'ai pas fait. Je le dis pour son propre bien. Parce que je vais le tuer. Je te jure, je vais le tuer. Vu cette situation, je risque de le faire ces jours-ci. Chinedu, que quoi mon dieu? Iwe mwanere, li kwa no kuku. Non, cette formule ne marche pas sur moi, arrête ça. Arrête de me dire ce genre de choses. Ne me dis plus cela. Obogo teku magaza yaga. Bioto sovo. Boku zigimo no no ziga. Basugidowe. Attends un peu. As-tu volé cet enfant? Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas volé d'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas fait. Tu en es sûre? Je suis sûre, je n'ai pas... Je ne l'ai pas fait. Ogona, donc c'est à cause d'un effort qui ne te revient pas que ce lèche-bot ici a attaqué ton frère et ses amis. Lola, ma chérie, prends un peu de l'air et détends-toi. Calme-toi, tu veux? Si Tinedo avait un peu d'estime pour lui, tout ceci ne serait pas arrivé. Ben voilà. Qu'aurais-tu gagné à le tuer? Ugwana! Utana! Je t'avais déjà prévenu. Je suis là, à le blâmer de t'avoir attaqué avec mon frère. Il était là en train de faire pareil. Je devais lui répondre par son propre langage. Ugwana! Utana, encore un seul geste et je t'explose la cervelle. Baissez vos armes! Encore un seul geste, Utana! Baissez vos armes! Je t'explose cette cervelle! Ugwana! Ugwana! Baissez vos armes, mec! Baissez vos armes! Utana, je t'aurais prévenu. Toi, ma
Maman, s'il te plaît, vas-y doucement. J'ai très peur. Tu n'as pas à l'être. Comment peux-tu dire une telle chose? Deux frères sont en guerre. Deux frères qui ont tété le même sein. Sont en guerre. Et sont même au point de s'entretuer. Et tu me demandes de ne pas m'inquiéter. Maman, je te demande simplement de ne pas trop penser à la situation actuelle. J'aurai l'hypertension. Ok. Elle doit l'avoir, cette tension. Que Dieu m'en garde. Tu vois l'hypertension. Maman, tu dois l'avoir. Je t'avais pourtant prévenu. Je t'ai prévenu depuis. Je t'ai prévenu de cette situation. Tu as refusé de m'écouter. Jusqu'à ce que tu aies remis cette porte à son propriétaire. L'hypertension, c'est Laura t'inquiète. Lola, viens ici. Tu t'enfuis, c'est ça? Idiote. Je vais tuer cette fille dans cette maison. C'est quoi tout ça? Comment elle me parle dans cette maison? Qu'est-ce que je lui ai fait? Que j'attrape tes deux pieds gauches dans ce salon. Viens au salon que je te tue si tu n'as pas peur. Idiote. Maman, je t'en prie, calme-toi. Assieds-toi, s'il te plaît. Se tient au pied de l'arbre puissant, mais pourtant éprouve de la crainte. Amogele! Amogele! Kaswa! Qu'est-ce qui t'amène? Je vous ai ramené le fort pour que vous puissiez vous-même le rendre au véritable propriétaire. Il y a une rumeur selon laquelle Anga serait en possession de le fort. J'ai fait le double de le fort et je le lui ai vendu pour détourner l'attention. Lily, t'es tout autre chose. Je prendrai cela pour un compliment, chère prêtresse. Le bitacola n'est pas sucré, oubliez le sang. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on est là? Oh, Nubino! Tu veux savoir pourquoi vous êtes là? Tu vas nous dire pourquoi on est là, putain! Je suis venu pour ton beau visage. Voici pourquoi nous sommes là. Vous êtes surpris? Maintenant, écoutez-moi très bien. Anga n'est pas là. Mais pour jouer. C'est compris. Écoutez, quiconque veut ce cru, cet au fort me donne 5 millions de naira. Bam! Le premier à me l'apporter sera en possession du fort. Simple. C'est compris. Espèce d'abruti, tu vois ce que t'as fait? Non. Tu vois ce que t'as fait? À notre fort? Là où repose notre dignité et notre fierté, et maintenant entre les mains des étrangers. Tu vois ce que t'as fait? Ferme-la, espèce de sale ex-détenu. C'est quoi ton problème? Si tu ne l'avais pas volé ou je l'avais caché, il l'aurait pas eu. Ikoni na yo na yo godo. Izigona bobodoy. Je vais mettre ton cas au frais. Et toi, rends-moi ça, fais vite. Ne m'énerve surtout pas. T'as peur de personne. Peur de quoi? T'as plus peur de moi, on dirait. Peur de qui au Mary juste? Bobby. Tu vas prendre cet enfant. Anga, tu vas rendre cet enfant. Vous n'êtes que des minables moustiques. Remets-moi simplement ce qui m'appartient. Vous ne pourrez rien faire. J'entends. Anga! Tu vas me mettre sur la clé. Rends-moi cet enfant. Ne bougez pas. Restez où vous êtes. Ne bougez pas, restez là. Hanga, rends-moi cette force. Essayez voir. Hanga, essayez voir. Rends-moi cette force. Essayez voir, tu verras ce que je suis. Hanga, essayez voir, tu verras ce que je suis. Essayez voir, non. Tu veux finir par te tuer. Oublie ça. Tu n'as pas peur. Hanga, toi, tu n'as pas peur. T'as vu ce que t'as causé? Si tu l'avais pas volé ou je l'avais caché, cet idiot ne l'aurait pas eu.
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un vieux pote que j'aimerais revoir. Mais le problème, c'est que je n'ai pas son contact. Est-ce que tu comprends? Je le connais. En fait, Démon? Je ne connais pas son nom. Il porte des locks. Dis-moi. Tu le connais? Mm-hmm. Promets-moi que si je te conduis à lui, tu épargneras la vie de ton frère. D'accord. Tu en es sûr? D'accord. Je vais t'y conduire. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'a pas ramené mon pognon? Il n'est pas venu. Mais je crois qu'il viendra. Calme-toi. On le retrouvera. Ah, faut pas te prendre la tête. Calme-toi. Où sont les gars? Waya, waya. Où sont les gars? Waya, waya. Hey, où sont les gars? Waya, waya. Lola est là. Où sont les gars? Waya, waya. Écoutez. Encore une fois. Et la meilleure. Mec, écoutez. Dimon. Ekwensu. Dimon. Ekwensu. Gay, 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 gay. Ekwensu. Ekwensu. Dimon. T'es sorti de chez toi. Je suis là, mec. Dévoilé. Je suis là, mec. Il ne ment pas. Je suis très content. Hey, je suis content. Allez, donne-moi une clope. Ekwensu. Je vais là vous mettre à l'aise. Ekwensu, écoute, si seulement ce n'était pas que le gorille et le singe étaient semblables, je dirais que le singe est un gorille. Ekwensu, t'es un gorille. Oh, t'es un brave type, je suis fier de toi, mon pote. Mon vieux, quoi de neuf? Ça fait un bail. Alors, mec, mon pote. Je suis là. Allez, raconte. Hey. Dimon. Allez, lâchez-vous. C'est victoire, les gars. Les démons du même genre. Mon pote. Écoute, depuis mon retour, il y a des gamins là qui me cherchent. Depuis que je suis là, ils me font la guerre. J'ai besoin de ton aide. Compte sur moi. C'est ça, l'esprit. Et Jackie, Jack. Bien évidemment. On va les découper. C'est ça, l'esprit. Nous sommes tous une famille. Nous sommes tous unis. Non, mon frère. Mon frère. Il faut que tu interviennes. C'est une vraie femme. C'est une femme de fer. Tu es mon homme. Allez, prends. Dollar. Lola, dollar. Dollar. Dimon. Meilleur. Dimon. C'est dans la tête. C'est ça, c'est mon frère. Voilà. Il est de retour. On est ensemble. Et quoi, sous content de te voir? Pour ton cas, ne t'inquiète pas. Je gère. Ah ouais. Je gère, mec. Je suis prêt aussi. Ils recevront leur don. Ils la recevront, mec. C'est un petit problème, je le gère. Sois tranquille. Ah ouais.
Lola, tu sais, est-ce que tu m'inquiètes pas? T'es prête? T'en es sûre? Je suis chaude. Écoute-moi, ils auront leur dose. Ils auront leur dose. Je vais te donner une bonne leçon que tu n'es pas prêt d'oublier. Je t'ai dit que j'allais te donner une bonne leçon. Je vais te faire payer. Remets-moi mon argent. Remets-moi mon argent. Je t'avais dit que je vais te donner une leçon que tu n'es pas prêt d'oublier. Tu ne pourras pas m'échapper. Tu ne me connais pas. Je t'avais prévenu. Tu vas me donner mon argent. Toi, le gardien de l'offre. Peu importe la situation, je suis toujours le propriétaire de l'offre. Regarde ce que je vais faire. Arrête! Arrête, mec! Arrête, mec! Hey! Arrête! Mec! Mais t'es fou! Mec, qu'est-ce que tu fais, mec? Hey! Ma prêtresse! Tu vas bien? Prêtresse, désolée. Tu vas bien? Ne t'en fais pas, ça ira. Ma prêtresse. Tu vas bien? Tu vas bien? Ne t'en fais pas. Ma prêtresse? J'implore ta miséricorde. Je sais que tu es immortel. Je suis qu'un pauvre mortel. À terre! Oh, oh, il est debout. Qu'est-ce qu'il fait debout? Je t'avais dit que j'allais te donner une bonne raclée, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas cru. À présent, tu confirmes. Et quoi, sous pitié? Ne me tue pas. Et quoi, sous? Ne me tue pas. Ne me tue pas. Ne me tue pas, je suis désolé. Oh! Que je ne te tue pas. Que je ne te tue pas. Pourquoi tu me stresses, espèce d'idiot? J'épargnerai ta vie à une seule condition. Je t'épargnerai si tu me remets mes 1,5 million naira. Tu vas ramener mon offor. Et tu me présenteras tes excuses, est-ce clair? Je te remercie. Je vais te donner l'offor. Ne t'énerve pas. S'il te plaît, et mon argent, tout ce que je te dois. Laisse-moi partir afin que je puisse aller voir. Waouh. Combien coûte cette chaîne? C'est du bon. C'est l'original. C'est du bon. C'est le faux. Ah, vas-y. Va chercher mon argent. Ramène mon argent. Ramène mon argent. Je t'avais dit que j'allais te donner une leçon, mais tu ne m'as pas cru. Thank you.
C'est bien triste. Ugona a été consumé par sa cupidité et son ego. Je n'arrive pas à croire qu'il se battait pour un faux fort. C'est incroyable que les forts pour lesquels on se battait tous étaient faux. Lily, t'es si imprévisible. C'est la seule chose qui m'est venue en esprit. Mais à quoi est-ce que Ugona pensait? Violer une piétresse? Mon amour, voici le véritable fort. Et c'est à toi de la garder. Je te remercie beaucoup, mon amour. Ça me fait vraiment plaisir. Maman, du plus profond de mon cœur, je tiens à m'excuser pour toute la peine que je t'ai fait subir. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai pardonné. Allez-y. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Ah, merci. Prêtresse à mon Dieu, merci. 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 Casse-toi. Alors, mec, comment te sens-tu? Je te remercie. Ça va, c'est cool. Merci beaucoup, mec. Frère. Écoute, mec, est-ce que ça va? T'es mon frère. Tu sais, je dois vendre. La police est après moi. Écoute, je dois vendre cette poudre. Bien. Kekus Gopiska Biborio. T'es mon frère pour la vie.
Le son. Et Jackidia, oui, mon frère de sang. J'aimerais te demander une faveur. Tu sais, t'es mon sang et je ferai la même chose pour toi, mec. Je pense qu'il est temps que t'embrasses ton véritable nom, Chinedo, et laissez partir ce Quinzo. Ouais. Oui, exactement. T'es mon sang. Je mourrai pour toi. Pour moi. Hein? T'es le meilleur de tous. Le patron des patrons. Description totale. Voilà ta sœur, mec. Elle vend ma cam. L'apôtre. Ok, je vois. Albarca. Tu n'as rien à craindre. Etchaline. Le roi des rois. 20 plus 30. Mon frère de sang. Aboegwe. Ekwesu. Where he go, where he go. Je vais vendre avec lui. Tchai. Mon gars. Un mec sûr. Mon frère. J'apprécie vraiment tout ce que t'as fait. Mon frère. T'es un frère. Fais sonner mon téléphone quand tu veux. N'hésite pas à le faire. Ok, d'accord. N'hésite pas. On s'appelle, on s'appelle, mec. Hey, attends-moi, mec. Hey, allez, attends-moi. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.